Un cheval rose à bascule, une machine à laver ou encore un instrument de musique original, l'exposition Skumalekba est présentée au Centre d'art de Londres de Vélizy-Villacoublay. Le collectif Le Wonder, créé en 2013, a travaillé avec le théâtre pour réaliser ses œuvres. Ce groupe d'artistes habite des bâtiments inoccupés. Transformer ces espaces inutilisés en atelier pour travailler le bois, le métal, l'impression, la peinture. L'enjeu pour le vendeur à chaque fois, c'est de sortir un peu l'exposition de son carcan institutionnel, on va dire, où il y a cette visite solennelle qui là se transforme en quelque chose qui vient puiser dans l'idée du rite. Ce sont donc 12 artistes qui ont exposé une petite quinzaine d'œuvres totalement différentes, où tous les sens sont en éveil. Elles ont tout de même deux points en commun, être expérimentales et destinées à un public plutôt jeune. L'idée, c'était vraiment d'apporter une dimension ludique. C'est pas un collectif qui travaille spécialement pour le jeune public, donc c'était vraiment une demande, une commande du Centre d'art et de Léo, qui touche aussi ces publics-là, donc ils sont vraiment amusés avec ça. Nelson Pernisco a créé Crystal Meth en 2017, une œuvre hypnotisante, une boule disco accrochée au plafond qui crée un frottement sur le sol. Ce qui m'intéressait dans le fait de la mettre en jeu à Londres, c'est que le plafond, encore une fois, est très très haut. Donc il y a vraiment cette question aussi, une très grande chaîne qui descendait pour venir et épouser la danse de cette boule disco sur le sol qui vient en fait briser ses miroirs et se briser ensuite sur ses miroirs. Dans un espèce de bruit de scratch de vinyle, produire une fine poussière de miroirs argentés. D'autres œuvres ludiques sont proposées comme un mur du son, des tiroirs qui s'ouvrent et se ferment en rythme, ou encore une ruche de culture de champignons. Toutes ces réalisations sont à découvrir jusqu'au 14 janvier prochain.